Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Et d'abord et avant tout, bonne année à tous. Bonne année, Franck. Ah. Bam. Voilà. Bonne année, Franck. Je disais. Bonjour. Bonjour. Toutes nos excuses, on est un peu en retard. On est ravis de t'avoir, Franck, sur ce premier live de l'année. Parce qu'on va parler d'un sujet qui nous semble très important, nous, pour les marques en 2022. Avec cette question, donc pourquoi et comment les managers doivent-ils devenir des créateurs de contenu? Donc, on va se poser la question ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, Franck, juste un petit rappel pour dire que si vous voulez suivre nos différents lives, on a un gros programme donc, cette année et il y en a deux que je vais annoncer tout à l'heure. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Story Jungle qui décrypte les nouvelles formes de narration et les nouveaux usages du contenu. On vous poste le lien dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à participer à notre discussion. On prendra évidemment des questions au fur et à mesure. Donc, Franck, tu es partner EY et tu es en charge des Fast Growing Companies pour la région donc Europe, Middle East, Africa et India. Tu accompagnes les startups et les scale-up dans toutes leurs phases en fait de développement. Tu peux nous dire un mot d'abord sur ce que vous faites en fait donc à EY France, enfin, à EY. Ouais, bien sûr. En fait, assez simplement, c'est un département qui se dédie à l'accompagnement des entreprises en hypercroissance, donc du stade de la startup jusqu'à la licorne. Ça s'appelle le département startup et cette place en fait parce que les startups sont devenues des scale-up puis des licornes. Donc sur nos quatre métiers que sont en fait le droit, le consulting, la transaction et le chiffre. Donc accompagner à tout moment dans les étapes clés de l'entreprise et être au plus près des entrepreneurs et aussi de tout l'écosystème puisque comme dans beaucoup de segments, ça marche par écosystème entre investisseurs, entrepreneurs et tous les partenaires autour de ces entreprises. D'accord, très bien. Alors, on va donc parler contenu, bien sûr. Si je résume un peu, c'est une grosse activité de création de contenu, Franck. D'abord, tu es très actif sur LinkedIn, tu es actif sur Twitter, tu as même le badge, j'ai vu ça, sur Instagram. Tu as presque ton rond de serviette chez BFM Business. On te voit de plus en plus sur Bismart. Et on pourrait parler aussi du Grand Prix de l'entrepreneur, bien sûr. Et en 2020, tu as lancé un podcast. Grow Fast Nawast, qu'on a donc eu le plaisir de lancer avec toi. Donc, tu as une activité très importante en fait, de créateur de contenu. Je voulais savoir, d'abord, on va se poser tout de suite la question de ce live. Est-ce que tu penses que c'est le rôle du manager de devenir créateur de contenu? Est-ce que c'est important maintenant pour les grands managers, en tout cas, de devenir créateur de contenu? Quel est ton avis sur la question qu'on se pose? Moi, je pense que le manager, en fait, doit être un rôle modèle et doit être un fin connaisseur de son marché. Donc, la création de contenu permet d'être en résonance avec évidemment ses clients, avec son marché. Et puis, ça permet aussi d'avoir une voix forte à la fois en interne et en externe pour pouvoir expliquer, accompagner tout au long de l'année, en fait, nos clients, mais aussi nos collaborateurs, puisque l'idée, c'est de s'en servir à la fois en externe, mais aussi en interne. D'accord. Alors toi, comment tu es venu en fait à la création de contenu? Parce que, comment cette activité est montée dans ton activité quotidienne, je dirais? Alors au départ, en fait, dans la création de contenu, j'ai d'abord lancé des études tout simplement pour mieux comprendre l'écosystème. C'est-à-dire que si vous êtes face à un écosystème qui bouge beaucoup et on est dans un monde qui va très vite, on a une accélération juste folle. Lié aux usages, lié au marketing, tout va très vite. Donc, pour être vraiment en connexion avec ce monde qui change, c'est toujours assez intéressant d'avoir des marqueurs. Et donc, les études que j'ai commencé à produire étaient des marqueurs, des baromètres, beaucoup de baromètres, qui analysaient en fait l'évolution du segment au cours du temps. Donc, c'est d'abord de mieux comprendre cet écosystème qui bougeait très vite que je suis venu au contenu. Le deuxième élément, c'est que ça n'a de sens que si ce contenu peut être correctement délivré auprès en fait de ma cible. Et là, c'est vrai que j'ai toujours eu une bonne relation en fait aux réseaux sociaux professionnels.
que sont LinkedIn et Twitter au départ et un peu plus récemment sur Insta. Et l'idée, c'était de corréler en fait la production de contenu avec la connexion à notre écosystème qui est beaucoup en fait sur les réseaux sociaux, tout en ayant une stratégie de personal branding. D'accord. Alors, on dit bonjour à Jean-Baptiste, on dit bonjour à Alexandra, à Pauline, à Aranda, Eve, Nicolas. Je vais commencer par poser aussi la question à l'audience. Nous, on a posé cette question dans un sondage sur LinkedIn. Pensez-vous donc que c'est le rôle des managers de devenir des créateurs de contenu? Donc, on va vous poster dans le chat un lien vers le sondage. N'hésitez pas à participer en fait à ce sondage. Que les premiers résultats qu'on a eus, moi, je les ai trouvés étonnants. On va les commenter tout à l'heure. On verra effectivement, ça a bougé à l'issue en fait, des premiers échanges qu'on va avoir. Donc, on viendra dessus tout à l'heure. Voilà. Donc, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire pourquoi vous pensez que c'est important ou pas. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'être assez concret dans le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Est-ce que tu as une routine dans cette logique de création de contenu, notamment sur les réseaux sociaux où tu es quand même assez présent? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as des habitudes? Ah. Ça va, Franck? Moi, je n'ai pas bougé. Ouais, c'est marrant, ça. Non, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as une routine, en fait, dans ton activité sur les réseaux sociaux? Ah, bah, on a reperdu Franck. Alors, ça arrive. Hein. On nous dit souvent. Oui, une routine, en fait, qui est via les réseaux sociaux, c'est que c'est vrai que l'interaction avec les réseaux sociaux nécessite d'y passer un peu de temps. C'est-à-dire que c'est un peu le sujet. Ma routine, c'est plutôt une routine très tard le soir, très tôt le matin. Alors après, c'est plus ou moins en fait, cohérent par rapport à ce qu'il faudrait faire pour poster le bon tweet ou pour regarder la bonne information. Mais c'est vrai que je consacre du temps tard le soir et tôt le matin pour pouvoir en fait, interagir avec les réseaux sociaux. Voilà, c'est ma routine, sachant que c'est vrai qu'on est un peu assailli de notifications, mais pour autant, voilà, j'essaye de concentrer un peu mon temps sur les réseaux sociaux à ces moments-là. Après, bon, c'est vrai qu'on est toujours un peu attiré à regarder ce qui se passe, donc on va dire que 80% de ma routine, c'est celle-là, et puis après, évidemment, entre deux réunions, évidemment qu'on est tous des animaux digitaux et en fait on a du mal à ne pas être attiré par son smartphone, mais globalement en tout cas le fait de poster, c'est plutôt à ces moments-là. Après, selon les notifications, puis selon l'actualité aussi, hein, puisque évidemment lorsqu'on a une nouvelle licorne comme c'est le cas en fait là aujourd'hui ce matin, voilà, donc le post que j'ai fait sur Payfit, il a été fait à 1h du matin, donc c'est pas bien, en fait, il faut dormir un peu plus, mais c'est vrai que l'information est sortie tard hier soir, étant partie prenante, puisqu'on a accompagné ce deal en transaction, ça me faisait plaisir de pouvoir en fait féliciter toutes les équipes Payfit, puisque encore une fois, la 23e licorne était là, et donc voilà, donc après, ces interactions-là sont différentes selon l'actualité. Bon, je l'ai lu sur LinkedIn, sur ton compte, avant de le lire sur les échos. Donc, tu les as grillés de pas grand-chose, mais d'un peu. J'ai l'impression, on va revenir après sur le podcast, évidemment, sur les autres actions que tu as. J'ai l'impression que ta première plateforme, c'est LinkedIn. Ouais, en fait, on a beaucoup réfléchi sur les plateformes B2B. Alors, comme tu le disais, je suis certifié sur Twitter. Twitter était plus fort à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, hein, mais ce n'est pas le même type de contenu, ce n'est pas le même type d'interaction. Disons que Twitter, je l'utilise pas mal en interaction avec la presse. Voilà, on a plus de remontées presse via Twitter et d'interaction, voire même de direct message avec tout cet écosystème presse via Twitter que via LinkedIn. C'est historique. Mais en tout cas, je l'utilise toujours. Et après, c'est vrai que j'essaye de ne pas avoir la même typologie de messages entre Twitter et LinkedIn, mais clairement, LinkedIn est la plateforme pour moi de référence. Je ne parle pas de Facebook, que je n'utilise pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas du tout actif sur Facebook. Ce n'est pas du tout dans mon champ d'action. Et on a une montée en puissance d'Insta, mais qui est un média encore plus… une solution encore un peu complexe en B2B. Mais voilà, donc LinkedIn first, deuxième Twitter et troisième Insta.
Ouais, on peut faire les choses sur Insta en retargeting, mais c'est avec du plan média. Enfin, c'est un, bon, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, en B2B. Donc, toi, ta première plateforme, dans une activité qui est quand même bah, essentielle, enfin, qui est B2B, bien c'est bien sûr, c'est bien sûr LinkedIn. En termes de pardon, j'ai perdu ma question. Voilà, j'avais une question super et je l'ai oubliée. Non, mais après ce qu'on, on, en fait, on a le sujet quand même du podcast qui est quand même un ovni dans cet environnement. Allons-y justement. Alors, ouais. Donc, en 2020, tu lances le podcast. Qu'est-ce qui t'a décidé à lancer le podcast? Et oui, je reviens à ma question tout à l'heure aussi. D'abord sur LinkedIn, puis après, on parlera du podcast. Mais qu'est-ce que tu as l'impression d'en tirer? Et une autre question encore, c'est est-ce que tu as aussi réfléchi à une stratégie particulière dans la typologie de contenu que tu postes? Et on va revenir sur le podcast. Oui, bien sûr. Alors, LinkedIn est un média. Alors, est-ce que c'est un média ou une plateforme? C'est une bonne question. Mais c'est une plateforme qui est extrêmement puissante pour différentes raisons. Elle est puissante parce que c'est une plateforme de publication. Et on sait que sur LinkedIn, on a trois comportements possibles. On peut être complètement attentiste. On regarde ce qui se passe. On peut juste liker. On peut en fait pousser du contenu. Donc, de manière assez claire, ma stratégie est de pousser du contenu original, pour donner en fait mon ton, puisque je pense que la stratégie, si tu me dis quelle est la stratégie, c'est d'avoir son propre ton sur LinkedIn, parce que sinon, ça pas, si vous postez la même chose que les autres avec la même tonalité, ça, bah, les gens, j'imagine que ça les intéresse un peu moins. Donc, c'est le premier point. La deuxième chose, après, la question qu'on s'est posée, que je me suis posée, c'est quels sont les contenus qui marchent le mieux sur LinkedIn, un post avec une image, un post avec une vidéo, des films courts d'une minute. Donc voilà, on a testé à peu près tous les formats. D'ailleurs, donc, tes bons conseils. Et ben on a quelques surprises parfois parce que on a certains contenus qu'on sentait très travaillés, très vidéo. On se disait ça va cartonner. Quand on postait un peu plus personnel, ben ça marchait mieux. Donc en fait, l'algorithme de LinkedIn est un peu retors parfois. Les dynamiques en fait d'engagement, elles sont un peu spécifiques. Donc, il faut vous faire votre propre expérience. Ce qui marche bien, évidemment, le contenu vidéo est un must, mais une bonne photo avec quelque chose d'assez en fait fin en fait en termes de message est aussi une bonne indication. Ouais, les contenus visuels, la photo effectivement, donc, quand il y a une touche un petit peu personnelle, ça peut vraiment avoir un vrai vrai reach. Les contenus aussi qui sont postés sans vidéo, sans image, sans rien, peuvent avoir un vrai reach. Mais ce dont on va vous parler quand on vous croise dans la rue ou dans les réunions, c'est plutôt les vidéos effectivement. D'accord. Alors en 2020, tu décides de lancer le podcast, donc Grow Fast Now What? Et avec l'idée de rencontrer, d'aller à la rencontre de CEO de startups qui ont réussi, donc des vrais scale-up, et d'essayer de voir avec elles quels étaient les leviers de réussite avec un prisme qui était effectivement les 7 piliers, enfin, donc l'approche EY, qui sont les 7 piliers de la croissance des entreprises avec une très, très forte croissance. Peut-être quelques. Tu peux peut-être nous dire. Qui tu as pu rencontrer rapidement, enfin pour. Bah, en fait, on a rencontré les principaux. On en est au 9e épisode. On a pu en fait à la fois voir des entrepreneurs type Nicolas Brusson de Blablacar, Jean-Charles Samuelan d'Alan, ouais. Ou même Cédric O, en fait, qui est notre ministre du secrétaire d'État en fait au digital. L'idée, avant toute chose, pourquoi on en est venu en fait à faire un podcast, c'est tout simplement parce que depuis plus d'une trentaine d'années chez EY, on a quelque chose qui s'appelle le prix de l'entrepreneur de l'année. Le prix de l'entrepreneur de l'année qui a lieu chaque année met en avant des entrepreneurs d'exception. Et moi, ça fait quand même un peu plus de 20 ans que je suis chez EY, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce. Et au-delà de mon quotidien d'interaction avec des dirigeants, des dirigeants qui me racontent leur histoire. Et au sein de ce prix, on a le prix de la start-up de l'année. Et finalement, je me disais que c'est quand même quoi. Voilà, j'avais en fait vraiment le souhait de faire partager en fait à tout l'écosystème ces portées d'entrepreneurs qui sont pour moi des rôles modèles
l'évolution de l'entrepreneur dans le temps a changé, en fait, hein, le rôle sociétal de l'entrepreneur a changé. Et finalement, le podcast était pour moi le bon média qui permettait en fait d'extérioriser une partie de ce qu'on faisait au quotidien. Donc, ça avait plusieurs vertus, hein, des vertus en fait éducatives, puisque je suis souvent en fait sollicité par des étudiants d'école de commerce ou des collaborateurs internes chez nous ou des gens qui ne sont pas dans l'écosystème à qui ça permet en fait de prendre en fait interaction avec cet écosystème là sur des podcasts qui sont courts. On a fait le choix en fait d'avoir un format de moins de 30 minutes, ce qui permet en fait de l'écouter sur un trajet de métro parisien ou même en région dans la voiture pour aller au boulot. Ou jogging 5 km. Voilà, jogging 5 km, puisque en fait, sinon 2h40, il faut courir très très longtemps, même si c'est de très grande qualité, on avait eu les débats. Et donc, voilà, ça permettait d'avoir, pour être très clair, hein, c'est aussi un élément de personnes qui est fort, et c'est aussi un accélérateur d'image. Qui est un point, qui est le point du recrutement. Côté EY, comme beaucoup de sociétés aujourd'hui, d'entreprises, une vraie guerre des talents. Et donc, ce sont aussi des contenus en tant que manager qui nous permettent de démontrer notre expertise et d'être assez audible auprès des étudiants ou des expérimentés qui souhaitent nous rejoindre au travers de ces expériences. Oui, d'accord. Donc, justement, alors, tu devances la question que j'allais te poser, c'est quel est… Alors, d'abord, peut-être un mot aussi sur les podcasts. Donc, ils sont ciblés, chaque épisode est très ciblé. Donc, avec Blablacar, tu as parlé acquisition, plateforme SH, effectivement, la dématérialisation des équipes, ils ont pas de bureau. Voilà. Ma question, c'est quel est le bénéfice de cette démarche? Alors d'abord, combien de temps ça te prend, là, vraiment le podcast, et quelle est l'organisation d'ailleurs que tu as avec tes équipes, et quel est le bénéfice de cette démarche? Alors en fait, le choix que l'on fait, c'est d'avoir en fait une équipe relativement légère pour gérer tout cela. Donc aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de post-prod, c'est-à-dire que globalement, lorsqu'on va enregistrer un épisode, on est en condition du live, les épisodes durent une demi-heure. À partir du moment où on appuie sur le record et qu'on réappuie à la fin, on considère qu'on ne veut pas faire de montage puisqu'on veut garder cette première intention. Et l'imperfection fait partie en fait de la du podcast. Que globalement, encore une fois, moi je ne suis pas un journaliste professionnel. Des médias, je suis avant tout un professionnel. Là, je suis commissaire aux comptes. Hein. Il ne faut pas oublier que voilà, je suis manager, mais je suis aussi un technicien. Mais tu t'es pris au jeu, hein. Tu t'es pris. Il y a une. Ouais, tout à fait. Mais ça me va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des professionnels qui parlent de professionnels, et donc du coup, il y a un ton qui est peut-être un peu différent que j'assume. Hein. J'assume les imperfections, mais. Du coup, là aussi, hein, c'est ce qu'on dit à nos équipes, c'est du test and learn, et en fait, on a une courbe d'apprentissage, et je pense que, voilà, on vit très bien avec cette histoire de d'enregistrement. Ce qui prend… Si on prend sur l'enregistrement, juste, il y a une question de Myriam qui nous demande quelle préférence pour le logiciel de réalisation du podcast. Alors, là, tu n'utilises pas vraiment un logiciel, toi, tu utilises une table de mixage. Exactement. Ouais, tout à fait. Au départ, on avait le matériel. En fait, on a le fameux Zoom, hein, qu'on a utilisé avec toi, Gilles. Aujourd'hui, nous, on a une table de mixage, donc on a une grosse valise. Un broadcaster. Voilà. Voilà. Exactement. Et donc voilà, ça c'est le matériel en fait de base. Après, à ta question, qu'est-ce qui prend le plus de temps? Bah, ce qui prend plus de temps, c'est de convaincre ou de caster les personnes qui vont passer sur le podcast. Et ça, c'est un travail que je fais à titre personnel. Ça marche beaucoup parce que l'interaction que j'ai avec cet écosystème fait que j'ai aussi les bonnes portes d'entrée. Et donc, c'est convaincre les intervenants. Donc ça prend un peu de temps. Dans la saison 2, en fait, qui s'en occupe, tu le fais toi-même. Hein. Ouais, non,
Je fais d'ailleurs via LinkedIn en direct message. J'essaye aussi d'avoir une pluralité de profils. La première saison était très axée entrepreneur. Sur la deuxième saison qu'on a lancée là en septembre, on est parti plus sur les membres de l'écosystème. On a notamment commencé avec un fonds avec Elena Berebi de Revaya qui a un fonds à impact. Donc l'idée aussi, c'est de mettre en avant aussi des profils qui nous semblent intéressants. On doit convaincre, trouver aussi des axes, et donc ça prend du temps. Et puis évidemment, on a la réflexion sur les questions qu'on va poser, et puis on se renseigne évidemment sur les gens que l'on va voir. Donc ça passe par une petite bio, une lecture de revue de presse, une bonne compréhension, et puis on essaye d'être différent de ce qui a déjà été dit. Donc on va creuser, comme tu l'as dit, un sujet. Sur Blablacar, on avait creusé les acquisitions de Blablacar, c'était passionnant parce que peu savent que Blablacar a fait plus d'une dizaine d'acquisitions pour être là où ils en sont, ou de parler de l'excellence commerciale d'Alan, qui est assez intéressant, et à chaque fois on est face à des gens qui sont passionnés, donc c'est passionnant. Oui, et donc pour revenir à la question, au total, donc tu produis en fait un épisode par mois, et tu dirais, bon, normalement, ça te prend combien de temps? Parce que c'est une question qu'on voit souvent, nous, qu'on nous pose souvent. En fait, les managers ont effectivement des... Ça prend une demi-journée pour l'entendre d'y aller, etc. Et on va dire une demi-journée de préparation. Donc, un jour par épisode. Un jour par épisode, d'accord. Quels sont les bénéfices que tu constates maintenant, un an après, 9 épisodes après? Bah, les bénéfices, c'est évidemment pas dans l'ancrage dans un écosystème. Lorsqu'on arrive à trouver le bon ton, c'est une meilleure en fait identification dans l'écosystème de ce que l'on fait. Donc ça, c'est le premier avantage. Des avantages assez forts au niveau recrutement et marque employeur. Bizarrement, c'est pas à ça que je pensais au départ, mais finalement, via le canal EY Recruit sur Insta ou alors du coup sur Facebook, parce que là on a d'autres canaux, ce sont des assets digitaux qui sont énormément repris. La troisième chose, c'est évidemment une meilleure interaction avec les membres de l'écosystème. Pas clients, tous ne sont pas encore clients, mais évidemment on a une action en fait, ça nous sert aussi à faire du bien. Voilà, c'est une indication. Et puis c'est une identification, et on espère que Franck va nous rejoindre bientôt. Il peut arriver que effectivement il y a des petits problèmes de bande passante, et donc on arrive qu'on perde. Voilà, oui. Tout va bien. Non, je disais, c'est une manière d'être identifié, mais soyons clairs, c'est aussi un moyen de faire du go-to-market, puisque la création de contenu, encore une fois, personne n'est dû par rapport à ça. On a une tagline, en fait, chez EY, qui est « Building a better working world ». Donc, on considère que mettre en avant les entrepreneurs fait partie de notre ADN. Et en fait, on est convaincu depuis de nombreuses années par différentes choses. Donc, le podcast est un moyen en fait de l'exprimer différemment. Mais une fois qu'on a dit ça, le fait d'être encore plus en résonance avec notre écosystème, avec des futurs clients ou des futurs partenaires, nous aide à évidemment construire de la relation. Je crois beaucoup dans la sérendipité, vous savez, le fameux terme en fait de la rencontre heureuse. Je crois que rien n'est plus vrai que de se dire que via une interaction, on va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc ce que ça m'apporte, c'est de l'ouverture d'esprit, pas que du business, mais aussi des idées, de la réflexion. Et puis, je pense que plus on interagit avec des gens intelligents, plus on devient moins bête, en tout cas, parce qu'intelligent, c'est une ambition qui est complexe. Mais encore une fois, je pense qu'on apprend énormément. Donc, voilà, on apprend et puis plus y affinité. Tu recommandes aux managers de lancer leur podcast, ou dans quel contexte tu recommandes de le faire? Alors déjà, il faut. Je pense que c'est vrai qu'il y a énormément de podcasts. C'est vrai que c'est un travail, c'est titanesque. C'est vrai que on peut considérer que c'est pas notre rôle de se lancer ce type de défi. Bon, moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort, donc ça me va bien. Je pense que ça c'est quand même le média
En fait, on pouvait se poser la question il y a quelques années, il y a 10 ans, est-ce qu'il fallait avoir son blog quand on était manager? Et je pense que ce n'était pas inintéressant parce que ça permettait de donner une expression particulière. Ça permettait en fait de mettre de la couleur dans ce qu'est un manager et dans sa compétence. Je pense que le blog est une manière assez moderne de pouvoir en fait interagir avec son écosystème. Mais ce qui est intéressant, c'est que via le podcast, ce que l'on met en avant, c'est avant tout les gens de son écosystème. Donc encore une fois, je ne fais que servir en fait d'intermédiaire à la mise en avant d'entrepreneurs incroyables, et c'est ça qui m'anime. Donc par rapport à ma recommandation, si vous sentez que vous avez autour de vous un sujet qui vous tient à cœur et un potentiel d'interaction fort avec votre écosystème, je ne peux que vous recommander de le lancer. Faut être passionné pour se lancer dans une démarche de contenu. Je pense qu'on ne peut pas le faire si autour de la table là, qui nous écoute, on a des marketeurs. Je pense que si votre manager n'est pas convaincu que c'est intéressant, il ne faut pas y aller parce que c'est un exercice d'humilité. En fait, on est inégaux face à notre capacité à faire ce type d'exercice. Et donc, si on n'a pas un peu de passion derrière, la passion permet d'effacer en fait toutes tous les problèmes que l'on peut avoir, les problèmes techniques, ça bug. Je me rappelle d'un enregistrement où en fait on avait un bruit de fond juste de dingue. En fait, c'était assez marrant, mais il faut garder la ligne directrice et c'est pas grave, ça fait partie des aléas. On se prend aussi des portes hein, puisque globalement il y a des gens qui veulent pas ouais. En fait interagir avec nous. Et puis parfois, on n'est pas aussi. On a certains podcasts où on se dit, j'ai pas posé la question qui allait bien, j'ai pas osé celle-là, ou j'aurais dû aller plutôt aller là. Donc, il y a encore une fois, c'est un exercice d'humilité. Et donc, je pense qu'il faut avoir des personnes en charge de ce type de podcast, en tant qu'animateur, en tant que manager, qui ont cette passion et qui ont envie de le faire. Si vous devez les forcer, en fait, ça marchera pas. Il y a Sébastien dans le chat qui demande et TikTok. Ouais, c'est une bonne question. Alors, ma fille est très forte sur TikTok. Elle arrive à avoir des millions de vues sur des trucs un peu improbables. J'ai pas. En fait, encore une fois, tout dépend de votre cible. Moi, je suis pas dans du B2C. Si je vendais en fait du matériel, je sais pas, pour des caméras pour faire du TikTok, j'irais faire de la promo sur TikTok. Les politiques s'y sont mis, mais pour aller en fait cibler une population très précise, encore une fois, il faut toujours se remettre dans l'objectif. L'objectif d'une entreprise comme EY, on est une entreprise de service qui est B2B, B2B2C peut-être, mais B2B d'abord. Donc globalement, on adapte nos canaux à nos clients, à notre écosystème final. Et donc finalement, notre podcast s'adresse avant tout à des professionnels, à notre écosystème, à des gens qui sont dans le digital. Est-ce qu'ils traînent sur TikTok? Oui, probablement, comme un peu tout le monde, mais c'est pas notre cible prioritaire. Ouais, bien sûr. Et on voit de plus en plus quand même des sujets crypto qui apparaissent, etc. Mais on n'est pas encore sur des sujets B2B. C'est d'ailleurs peut-être un échange qu'on aura avec les gens de TikTok prochainement. On est en train d'essayer de monter ça. On a Nicolas dans le chat qui nous dit au-delà de la conviction, c'est la singularité du regard du manager qui fait aussi un bon contenu. C'est d'accord avec ça. Ouais, encore une fois, je pense qu'il faut avoir un vrai axe. Moi, je suis assez fan des podcasts. Hein, j'en écoute beaucoup. J'en découvre beaucoup via les plateformes de streaming. La question, c'est qu'est-ce que vous avez de plus à raconter par rapport à d'autres? Quelle est votre vision? Et pourquoi vous, plus qu'un autre, êtes en mesure d'interagir? Pourquoi, en fait, votre podcast doit être écouté? Et en quel point il est singulier? Donc voilà, je pense qu'il faut, avoir un regard, il faut avoir un format. Le sujet du timing, on a beaucoup débattu, Gilles, sur c'est quoi la bonne durée d'un podcast. Encore une fois, moi, je suis assez fan des podcasts très, très longs. Mais le problème, c'est que je les écoute plus rarement parce que j'ai souvent pas deux heures et demie, en fait, devant moi. Alors, quand on a un long voyage en train et qu'on ne peut pas manger, peut-être que ça marche. Mais au cas d'espèce, voilà, ça s'y prête main. Et encore plus en B2B, on a besoin d'avoir des choses qui sont consommables. On a besoin de capsules. Et de la même manière qu'aujourd'hui, une étude de 250 pages n'a pas beaucoup de sens,
J'ai une conviction assez forte qu'en B2B en tout cas, un podcast pour des professionnels, on peut y consacrer un temps qui est quand même limité. Donc, les 30 minutes pour moi sont une bonne best practice au-delà du regard différenciant. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des podcasts installés parfois courts qui lancent en fait un deuxième format plus long. C'est le cas par exemple, je pense à Grossmaker qui a lancé un format un peu plus portrait, un peu plus long d'une heure, même si les podcasts originaux qui étaient d'une demi-heure ont tendance à être un petit peu plus longs aussi. Et à l'inverse, des podcasts très longs qui lancent un format effectivement un peu plus court. Un mot, parce que j'ai une question importante justement sur les programmes d'ambassadeurs, mais un mot sur la télé. Comment tu as pu être, ça c'est une question qu'on me pose souvent, comment tu as pu être invité en fait sur les plateaux? Est-ce que c'est bon RP? Est-ce que la démarche de créateur de contenu que tu peux avoir à la fois sur LinkedIn et puis dans les podcasts t'aide à être invité, un peu plus invité sur les plateaux? Ouais, alors en fait, l'interaction est très forte. Hein. Pour être invité sur un plateau, il faut avoir en fait déjà une bonne visibilité sur un sujet. Évidemment, le personal branding se construit avant tout par votre capacité à porter un sujet qui vous est propre. Donc, personal branding est fort. Le personal branding, il se construit autour, en fait, pour moi, avant tout des réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux, pour être visible, il faut avoir du contenu. Et donc, je reviens à ma stratégie d'étude. Et finalement, j'ai des baromètres qui sortent tous les deux mois sur la partie justement de l'écosystème de la French Tech. On a aussi un baromètre sur les IPO qui paraît tous les trimestres. On a en plus en interne des baromètres sur la biotech. On a des baromètres sur le software. Alors, je porte pas tout. On est une équipe, mais en tout cas dans mon périmètre, j'ai pas mal de baromètres. Ces baromètres en fait sont publiés sur les réseaux sociaux. Il y a une action assez forte, tu parles des plateaux de télé, mais... Massivement repris, hein, même. Ouais. Et en fait, avant toute chose, les contenus sont repris par les journalistes. Et je pense qu'avant d'être sur un plateau TV, il faut aussi être en résonance avec les journalistes. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Twitter et de LinkedIn. Ma stratégie, c'est d'avoir une proximité avec tous les journalistes de la presse nationale sur les sujets d'intérêt, et je passe du temps et je suis assez je refuse assez rarement en fait une interview d'un journaliste, même si je suis pas cité, pour discuter en fait de ce qui se passe sur la French Tech, donc avec les grands journaux de la place, hein, que ce soit on parlait tout à l'heure des Échos, Guillaume Brégeras, qui est le journaliste en fait qui couvre les chez startups des Échos. Évidemment en fait on interagit aussi avec évidemment Le Figaro, mais tout le monde, hein, tous les journalistes, et on essaie. Démarche proactive démarche proactive puisque au niveau RP. Alors c'est avec le temps. Aujourd'hui, j'ai une connaissance fine à titre personnel des journalistes qui d'ailleurs me contactent via des direct messages sur LinkedIn ou sur Twitter pour me dire, au fait, ton étude n'est pas encore sortie, elle sort quand? Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut en parler? Interaction aussi avec l'écosystème, puisqu'en fait, on a des études un peu, aujourd'hui, qui deviennent un peu institutionnelles, c'est-à-dire qu'on attend les chiffres. D'ailleurs, notre baromètre sort la semaine prochaine sur les chiffres de la French Tech. J'entretiens à titre personnel une interaction forte avec les journalistes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail des journalistes parce que c'est un travail d'investigation, et je passe du temps, y compris avec les jeunes journalistes, à réexpliquer en fait les mécanismes de la French Tech, que c'est mon sujet de prédilection, même si j'ai un scope beaucoup plus large au quotidien, puisque je couvre d'autres zones, capacité à expliquer en fait ce qui se passe en France, ce qui se passe à l'international. Et grâce à ça, à force en fait d'apparaître aussi dans la presse papier qui est très digitale, ça permet aussi d'avoir une visibilité et quelque part d'avoir un accès en fait au plateau. Alors, tu parles de BFM Business, de Bismart, et voilà, donc ça se construit aussi dans le temps, c'est-à-dire que on n'est pas dans de la télé-réalité où en fait on arrive à émerger, on est dans des sujets B2B. Donc, moi, je suis très humble par rapport à ce travail de contenu et même par rapport aux écoutes de podcasts, etc. Il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'on est en B2B. Donc, on n'aura jamais, en fait, j'aurai jamais 10 millions de followers sur Twitter ou sur TikTok. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche à avoir
à atteindre la bonne cible et finalement, ça se construit avec le temps. D'accord. On a Sébastien dans le chat qui nous pose une question sur le podcast avant de parler du programme ambassadeur. On a quelques minutes, il nous reste quelques minutes. On a Sébastien qui nous pose la question, quels sont les trois conseils que tu pourrais donner pour lancer un podcast en entreprise, hein. Le premier conseil, c'est de trouver le bon porteur de projet. Parce que, encore une fois, je ne sais pas ce que fait Sébastien, s'il est plutôt manager ou marketeur, mais globalement, avoir le CEO d'une boîte devrait être le porteur naturel ou le manager d'une BU, etc. Pour autant, en fait, ce n'est pas évident parce que, encore une fois, je reviens sur le fait, je pense qu'il faut faire passer de la passion. Et voilà, c'est la passion, c'est quelque chose qui est intrinsèque et voilà, il vaut mieux trouver des gens passionnés. En tout cas, c'est ma conviction. Le deuxième point, c'est trouver un angle. Faire le énième podcast qui n'est pas anglais, en tout cas qui est trop large, en tout cas voilà, trouver un angle suffisamment en fait identifié pour que vous ayez une audience. Et puis le troisième truc, c'est travailler à la fois la qualité des intervenants et la durée du podcast. Donc, qualité des intervenants, ça va avec l'angle. Il y a toujours une phrase qui est « names makes news ». Globalement, plus vous avez des gens brillants à interviewer, plus vous aurez un contenu qui est intéressant. Et donc, voilà, c'est un peu bête à dire, mais autant qu'à faire, autant avoir des gens que vous invitez parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire et non pas parce qu'ils représentent quelque chose. Donc voilà, c'est pas interviewer pour interviewer, c'est trouver des gens qui ont vraiment quelque chose de différenciant à dire. Donc ça va avec l'angle et ça va avec la passion que vous pouvez mettre dans vos interactions. Alors, un tout dernier sujet, justement, parce que tu parles du temps et effectivement, on va essayer de pas trop déborder. Un tout dernier sujet, mais important, chez EY, tu es aussi sponsor en fait, de la communication. Tu travailles avec Emmanuel Raveau, qui est donc la directrice de la communication, sur ces sujets-là. Est-ce que c'est important, effectivement, d'essayer de mettre en place une stratégie d'ambassadeur, donc au-delà en fait, de ton activité de créateur de contenu, d'avoir d'autres ambassadeurs manager qui puisse créer des contenus. On ne parle pas d'employé advocacy, on parle vraiment de visibilité par des créateurs de contenu. Alors, on est une boîte de services professionnels. Donc, le personal branding est juste clé, hein, puisque on est une grande maison, EY, une boîte de conseil. Mais finalement, qu'est-ce qui différencie en fait un consultant d'un autre, d'une autre grande maison de conseil? Ce qui va différencier en fait la personne, c'est son personal branding. En gros, vous venez dans un grand cabinet pour une personne et pour savoir qui est cette personne, il faut qu'il ait en fait un personal branding qui est fort. Personal branding, ça ne veut pas dire juste qu'il communique, mais qu'il soit identifié dans son segment. Donc, comme tu le dis, on a mis en place un programme d'ambassadeur qui vise en fait à améliorer le personal branding de nos experts, alors qu'ils sont associés ou senior managers. Donc, on n'a pas que des associés, on a aussi des experts qui sont un peu plus juniors. Et donc, on a tout un programme d'accompagnement pour les acclimater, puisque même si on a des digitaux natifs, quelque part, et tu le sais bien, Gilles, on a des codes qui sont assez clairs à respecter sur LinkedIn et Twitter. On a aussi un accompagnement, on a aussi des outils pour passer. Tout à l'heure, je parlais des trois stades sur LinkedIn. Je regarde, je like et je poste. Ben là aussi, on a plein de techniques pour aider l'accélération de la capacité à poster des contenus en fait en lien avec l'activité. On a aussi des sujets de média training parce que parler face à une caméra, ça s'apprend. On a investi dans un studio média. Donc, on a un studio qui nous permet de justement faire des émissions. On a eu un investissement. Donc, on croit beaucoup dans cette nouvelle dimension qui est de dire que demain, encore plus dans nos métiers, on aura un besoin assez fort de communiquer différemment. Beaucoup de vidéos, mais encore plus de capacité à faire passer les messages d'expertise, non pas sur des canaux corporate, mais plutôt des canaux personnels qui seront repris par les canaux corporate. Je m'explique, le fil LinkedIn, Twitter d'une grande maison comme EY, étant donné notre diversité de sujets, d'expertise, c'est un peu complexe,
Et on voit bien qu'on a évidemment beaucoup de messages qui peuvent passer par ces canaux-là, mais un message porté par un expert dans le secteur de l'énergie, si la personne a un fort personal branding, sera beaucoup plus pertinent, puissant, qu'un message porté par la firme qui est plus généraliste. Donc voilà, on essaye de travailler sur ce programme d'ambassadeur pour avoir beaucoup, beaucoup de personnes en capacité d'interagir avec un maximum de monde. x10, x7 à peu près, enfin, c'est dans ces fourchettes à taille égale, effectivement, à taille de communauté égale, les contenus portés par un carnet, en tout cas, ont un reach beaucoup plus important, génèrent beaucoup plus d'engagement que les contenus portés par les sociétés. Écoute, alors, merci beaucoup d'ailleurs. C'était aussi, on avait France qui nous disait effectivement la création de contenu est vitale pour tous les managers, etc. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et moi, j'incite tout le monde d'ailleurs à te suivre sur LinkedIn. Et vous pouvez d'ailleurs activer la cloche pour avoir accès à l'ensemble des contenus de Franck dans les prochaines semaines. Avant de se quitter quand même, on avait posé en fait une question sur... Et Gilles, moi, je vous incite aussi à aller regarder le podcast « Growfats Now What » qui est sur toutes les plateformes de streaming. Donc, On va le poster ouais. En commentaire, absolument. Ouais. Et puis, juste on avait effectivement donc posé une question au début de ce live qui était effectivement est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un manager de devenir créateur de contenu ? Voici la réponse. Alors, on va l'actualiser d'ailleurs. Bam. Voilà. Et donc, en fait, on est à 55-39. Mais ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas tellement le 55, c'est plutôt le 39. C'est-à-dire que c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, peut-être une dernière question pour la route. Est-ce que ce 39%, tu le vis chez EY ? Est-ce que certains pensent qu'effectivement, c'est peut-être... Moi, je pense que c'est pas une question de temps. En fait, encore une fois, on est peut-être des fous furieux chez EY parce qu'on travaille peut-être trop. Mais quand vous êtes face à des gens qui sont passionnés, c'est l'extra miles qui fait plaisir parce que globalement... C'est une capacité de pouvoir s'aérer et encore une fois il y a tellement de retours en fait positifs et tellement d'enrichissement personnel qu'il ne faut pas le voir comme un sujet de temps. Encore une fois, interagir, créer du contenu, c'est d'avoir en fait plus de capacité à être pertinent sur son segment. Donc ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, je dirais que c'est qu'il y a un problème d'organisation dans la journée de travail, c'est-à-dire que ça doit être pour moi un impératif, donc c'est pas un sujet, on n'a jamais le temps. Donc, voilà. Donc pour le prendre. Bon, alors, donc, merci beaucoup Franck. Juste deux informations avant de se quitter. La première, c'est que dans deux semaines, on fera un live sur les nouvelles frontières du Web 3.0 avec Cathy Brehm, qui est Executive Product Manager Innovation chez France Télévisions, et Johan Lopez, qui est fondateur de la newsletter Snowball, qui s'intéresse vraiment aux NFT partie, je dirais, plus crypto du Web 3.0. Et puis, dans trois semaines, donc le 27 janvier, et on va vous publier le lien aussi dans les commentaires, on fera en fait un live dédié justement à la nouvelle fonction LinkedIn Live, puisque cette fonction a changé en décembre. Et donc, il y a un certain nombre de nouvelles features, en tout cas dans cette fonction, qui peuvent éventuellement vous intéresser. C'est un webinaire qu'on fera donc le 27 janvier. Merci beaucoup, Franck, pour ton temps. Et donc, à très bientôt. Merci, Gilles. À bientôt. À bientôt à tous.